Bonjour mes amis, comment allez-vous aujourd'hui? Est-ce que vous connaissez le nom des chaussures que vous portez ou que vous voyez souvent? Découvrons-le ensemble. Regardez, il y a les baskets qui sont très confortables, les bottes qu'on porte en hiver, des chaussures à talons. Le talon, c'est la partie dure à l'arrière de la chaussure. Il y a les pantoufles qu'on porte à la maison et les sandales qu'on porte surtout en été et qui sont très confortables. On trouve aussi des sabots qui sont ouverts de derrière, des tongs. On peut trouver aussi des bottines qu'on porte en hiver aussi et des souliers en cuir qui sont surtout conçus pour les hommes. Savez-vous pourquoi on les appelle des chaussures? Parce que le verbe se chausser veut dire porter au pied. On dit toujours des chaussures ou une paire de chaussures. Est-ce que vous savez comment on appelle la personne qui répare les chaussures? Le cordonnier. Dans cet épisode, nous allons connaître l'histoire d'un vieux cordonnier. Le vieux cordonnier. Dans un petit village de la montagne, il y avait un pauvre cordonnier qui vivait seul. Il était vieux et désespéré. Les villageois lui apportaient souvent des chaussures à réparer. Mais puisqu'il était bien âgé, il ne travaillait pas vite. Tous les jours, il mangeait tout seul, bien tristement. Un soir, il avait devant lui un tas de souliers à réparer. Jamais je ne pourrai les réparer. Je suis trop âgé et trop malade, se dit-il. Près de lui, la grosse horloge faisait tic-tac, tic-tac. Le pauvre vieux, tout découragé, s'endort. Aussitôt, l'horloge s'ouvre et deux petits lutins sautent sur le plancher. L'un s'appelle Tic et l'autre s'appelle Tac. Rangeons les étagères, réparons les souliers, recousons le linge, dit Tic. Préparons un gâteau, changeons les vieux rideaux. « Faisons la vaisselle !» ajoute Tac. Minuit sonne, les deux petits lutins rentrent dans la pendule. Le lendemain, le pauvre cordonnier s'éveille. « Oh, quelle joie! Qui a préparé ce bon gâteau? Qui a donc rangé la maison et réparé tous ses souliers ?»« Tic, tac, tic, tac !» répond la vieille horloge. Est-ce que les événements de cette histoire vous semblent réels? Non. L'horloge n'est qu'un objet. Elle ne peut pas venir à l'aide d'un cordonnier. Voulez-vous lire le texte avec moi? Allons-y. Il s'intitule « Le vieux cordonnier ». Dans un petit village de la montagne, il y avait un pauvre cordonnier qui vivait seul. Il était vieux et désespéré. Les villageois lui apportaient souvent des chaussures à réparer. Mais puisqu'il était bien âgé, il ne travaillait pas vite. Tous les jours, il mangeait tout seul, bien tristement. Où se déroule l'histoire? Dans un petit village de la montagne, bravo, c'est le lieu. Est-ce qu'on sait quand se déroule l'histoire? Non, il n'y a aucun indicateur de temps. Mais on sait tout de même qu'elle se déroule au passé. Comment on l'a su? D'après les verbes. Remarquez les verbes. Avait, vivait, apportait, était, travaillait. Vous les voyez? Travaillait, aïté, était, aïté et mangeait, aïté. Ces verbes indiquent que les actions se sont déroulées il y a longtemps et qu'elles ont duré. On l'appelle, bravo, l'imparfait de l'indicatif. Remarquez avec moi la terminaison des verbes. J'ai au singulier, le « il » au singulier. Il y avait, a-i-t. Il vivait, a-i-t. Il était, a-i-t. Il travaillait aussi, il mangeait. Partout, c'est la même terminaison. Quel est le personnage principal de cette histoire? Le cordonnier, très bien. Quel mot permet d'éviter la répétition de cordonnier à chaque fois? Le pronom personnel « il », très bien. Est-ce que le cordonnier raconte lui-même son histoire? Non.
Alors, qui raconte l'histoire? On l'appelle le narrateur. Il est à l'extérieur de l'histoire. Ce n'est donc pas un personnage de cette histoire. Bravo! Et pourquoi le cordonnier est-il triste? Parce qu'il était vieux et il était seul. Il travaillait tout le temps. Travailler était une des tâches pénibles pour lui. Lisons maintenant la suite de l'histoire. Un soir, il avait devant lui un tas de souliers à réparer. « Jamais je ne pourrai les réparer. Je suis trop âgé et trop malade, » se dit-il. Près de lui, la grosse horloge faisait tic-tac, tic-tac. Le pauvre vieux, tout découragé, s'endort. Aussitôt, l'horloge s'ouvre et deux petits lutins sautent sur le plancher. L'un s'appelle Tic et l'autre s'appelle Tac. Rangeons les étagères, réparons les souliers, recousons le linge, dit Tic. Préparons un gâteau, changeons les vieux rideaux, faisons la vaisselle, ajoute Tac. Minuit sonne. Les deux petits lutins rentrent dans la pendule. Pourquoi le cordonnier se sent-il désespéré un soir? Parce qu'il avait beaucoup de travail à faire et il se sentait fatigué et malade. Il a dit, remarquez, « Jamais je ne pourrai réparer. Je suis trop âgé et trop malade. » Vous avez remarqué cette phrase? C'est une prise de parole. Elle est cadrée par des guillemets. Et que se passe-t-il pendant le sommeil du cordonnier? Qui se rappelle? Les lutins qui se trouvaient dans l'horloge, Tic et Tac, en sortent. Puis, ils rangent les étagères, ils réparent les souliers, ils recousent le linge, ils préparent un gâteau, ils changent les vieux rideaux et ils font la vaisselle. Quand retournent-ils à la pendule? À minuit, très bien, c'est le milieu de la nuit. Que va-t-il se passer à la fin de l'histoire? Voyons ensemble. Le lendemain, le pauvre cordonnier s'éveille. Oh, quelle joie! Qui a préparé ce bon gâteau? Qui a donc rangé la maison et réparé tous ses souliers? Tic, tac, tic, tac, répond la vieille horloge. Quelle belle histoire! J'ai une devinette pour vous maintenant. Regardez avec moi quand je dis « Oh, quelle joie !» C'est une phrase déclarative, interrogative, exclamative ou injonctive? Exclamative! Très bien! Qu'exprime cette phrase? Elle exprime la surprise, c'est-à-dire l'étonnement du cordonnier devant l'aspect de sa maison lorsqu'il se réveille. Et quand il dit « Qui a préparé ce bon gâteau? Qui a donc rangé la maison et réparé tous ses souliers ?» Ces deux phrases, ce sont des phrases interrogatives, très bien. À qui pose-t-il la question? À lui-même. Il n'attend pas de réponse. Ce sont de fausses interrogations qui expriment aussi le grand étonnement du cordonnier. Cependant, la pendule lui répond « Tic-tac. Et le texte se termine ici. À votre avis, comment a-t-il réagi après la réponse? Je crois qu'il s'est étonné davantage. Il a sursauté de peur, peut-être. Il a cru qu'il rêvait. Voilà, donc, c'est la fin de cette histoire qui est donc imaginaire. Vous pouvez, vous aussi, à la fin de cet épisode, imaginez ce qui s'est passé à travers un dessin ou bien une chanson peut-être. Est-ce que vous avez aimé cette histoire? En espérant vous revoir la fois prochaine, je vais vous dire au revoir et à bientôt.
لمشاهدة المزيد من الحلقات زوروا 7-7 Plus.